Peace. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swapulo Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Infinite Warfare en mode zombie sur la map Shaolin Shuffle. Donc c'est un glitch qui va vous permettre de mettre pause en partie publique, mais aussi peut-être de pile-up les zombies. Donc ça je suis pas encore sûr, je vais vérifier ça avec vous. C'est vraiment un glitch what the fuck qui fonctionne sur toutes les maps, hein, parce que je pense que le radio cassette est sur toutes les maps. Donc j'ai une petite hésitation sur Raven the Redwood. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si sur Raven the Redwood il y a la radio. Donc première chose c'est de récupérer la radio, hein, que ce soit sur Spaceland ou Redwood ou autre. C'est de fabriquer la radio. Donc ici je dois juste récupérer des Mahjong. Et sur les autres maps c'est des pièces de couleur. Donc soit c'est des joyaux, soit c'est des pièces, enfin bref. Donc je vais déjà m'acheter une arme parce que ils vont prendre la tête tous ces zombies. Voilà, nickel. Alors, il faut que je retrouve les pièces de Mahjong. Donc les pièces de Mahjong, il y en a une ici, je pense. Il y en a une ici, voilà, qui est là. Il y en a un autre qui spawn là, qui est là justement. Hop. Il y en a un autre, donc la table de Mahjong, donc la table de craft pour la radio, elle se trouve ici. Alors, il y en a un autre de pièces de Mahjong qui se trouve ici. Et un autre qui se trouve ici. Voilà. Donc, il y en a trois. Hein. Il y en a trois, il y a 5 ou 6 spoons. Je ne me rappelle plus trop. Le tuto date il y a un petit moment aussi. Voilà. Deuxième, il en faut 3. La troisième, elle est juste en haut de l'escalier ici. Ah non, elle est là. Oui, il y a un autre emplacement qui se trouve ici. Donc voilà. Alors quand vous avez les trois Mahjong, vous récupérez la radio cassette et regardez, il n'y a rien de plus simple. Franchement, c'est tellement cheaté, c'est tellement ouf que... Regardez, j'ai juste à faire ça. Et le zombie va s'arrêter devant moi. Tout simplement. C'est quand même pas ouf. Je sais pas, mais... Par contre, si je bouge... Ok. Donc attendez, parce que en fait... Donc ça pilote pas. Ouais, donc voilà, c'est vraiment une technique pour garder, on va dire, un dernier zombie. Voilà, vous faites ça et le zombie ne mourra pas. Je ne l'ai pas, non, franchement, il meurt pas. Vous pouvez rester comme ça pendant 24 heures, le zombie ne va pas bouger. Donc, c'est une façon de mettre pause à une partie. Donc, ça fonctionne sur toutes les maps, hein, que ce soit Spaceland, Redwood et Shaolin Shuffle. Et donc, voilà, si vous avez, vous pouvez faire ça avec un écran scindé, hein, si jamais vous voulez des. Explorer la prochaine map qui va sortir, donc le DLC 3, vous prenez une deuxième manette. Vous mettez la deuxième manette comme ceci, avec le piège de la radio cassette. Et là, vous allez visiter la nouvelle map, vous cherchez les easter eggs et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment une façon assez stylée de pouvoir profiter de toute la map sans être dérangé par un zombie ou par plusieurs zombies qui pourraient vous ennuyer pendant la partie. Donc voilà, j'espère que ce petit glitch vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à partager un maximum pour m'aider à évoluer sur YouTube, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter si vous avez quelque chose à dire, l'espace des commentaires est justement fait pour ça. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao, peace.